les amis, c'est Farming Savère que votre esquive, on se retrouve aujourd'hui, c'est FS19, et regardez, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, on a pris donc cette fameuse petite presse Galignani, je crois que c'était Galliani, mais Galignani, le Galligno, hein, le coq en italiano, et puis on a attelé devant un petit international, 100 cabines, 844 SB, je trouvais que ça allait plutôt bien, en deux roues motrices avec les petites masses qui vont bien. Allez, on va commencer à presser tranquillement, hop, il y a une petite animation, on va activer tout ce merdier, qu'est-ce que ça dit? C'est bon, on est baissé, on est bien. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Et bah après donc, on peut y aller. 15 km/h, ça engage. Après donc, boom, NG Drive. Et ouais, c'est fail en série avec mon crawler. Et bah écoutez, on est de retour sur Farming, quelque chose d'autre. Farming, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on arrive à faire demi-tour ici sans se mettre dans le décor? J'en sais rien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Il serait bien qu'on pose pas là. Bosse pas notre pêche, hein. Ah putain, merde, c'est vrai que c'est décalé. Oh putain, c'est tout décalé, mon colo. Oh là là, c'est vrai qu'on a l'habitude de suivre tout bêtement les andins, l'habitude avec le tracteur. Mais là, c'est légèrement décalé, donc il faut quand même faire attention. J'ai moissonné de mon côté le champ qu'on avait semé à la toute première vidéo, là-haut à côté de la ferme. J'ai commencé à travailler en termes de travail de terre, les champs que j'ai fini également d'ensiler avec la John Deere 9700i, où ça s'est plutôt bien terminé. J'ai bâché mon silo, tassé et bâché mon silo. Donc avec la paille, l'ensilage et le foin, on va être bien pour pouvoir tranquillement... Putain, c'est le bordel. Putain, mais Dieu, il n'arrive pas à viser droit, le Juju. Oh, vas-y, en terme. Et c'est vrai que c'est sympa, ces petites animations-là. Donc très, très jolie presse. Franchement, ça fait plaisir. Et là, il y a pas mal d'herbe. Finalement, j'avais coupé de l'herbe. Bah, ouais, je me souviens pas. J'avais coupé de l'herbe dans cette espèce de prairie à gauche. Je vois qu'il y a des monticules d'herbe. En plus, il y avait une espèce de bug quand on fauchait. Bref, c'est pas bien grave. On s'en bat les couilles. Et ouais. Petite dédicace à Régis la saucisse qui m'a dit à force de t'en battre les couilles, regarde. Et putain, le mec, il s'est fait battre les couilles. Une petite vidéo. Alors, je ne partagerai pas. Il y a trop de caractère sexuel quand même dans cette chose là, mais putain, j'avais mal aux couilles pour lui, le gars. Bref, voilà, petit aparté avec mon Régis la saucisse. Bien évidemment, j'ai également rangé, petite dédicace à Nico, qui m'a dit putain, mais c'est un silo et pas un hangar de stationnement. Voilà, c'est fait, je passerai par la ferme, j'essaierai de vous montrer si j'y zappe pas depuis jusqu'à la fin de la vidéo, c'est tout net. Petite dédicace également au Patou, et ouais, le Patou qui m'a dit, mais Kono, t'as pas mis les liens dont t'as parlé sur la vidéo ATS. Et ben oups, j'ai fait extraordinairement attention à ne pas oublier de mettre le lien de la Minican 69 par rapport au Kenworth K100E. Mais là, cette fois-ci, c'est vrai que j'en ai parlé et puis j'ai pas mis. Alors, je l'avais partagé dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour ou jeter un œil. Tu fais comme tu veux, mon Kono. Donc, après, par contre, pour ramasser ces conneries-là, je pense qu'il va falloir qu'on se fasse chier à les ramasser peut-être à la main ou j'en sais rien. Enfin, on va voir. On va voir parce que techniquement, on n'a pas les trucs pour les ramasser. J'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas vraiment cherché non plus, il faut être honnête. Il y a de quoi normalement sur des petites presses comme ça rajouter une espèce de petite. Un petit carte là pour récupérer les balles, ça monte directement dedans. Bon, bref, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est pas préparé, c'est fait à l'impro, c'est total impro comme on dit, hein, on est vendredi, tout est permis bien évidemment. Vous avez été sensible et vous avez apprécié mon humour, voilà, mon humour anglais, ouais, mon humour so british. Vous avez été également nombreux à réagir sur le fait que bah voilà, vous regardiez. Hop, j'ai fait un petit oubli là. Ah là là, pas bien. Par rapport à la longueur des vidéos et regarder l'ensemble des vidéos, il y avait quelques-uns qui m'ont dit non, mais même si c'est pourri, je sais pas, j'ai pas retenu le tout, mais je regarde quand même jusqu'au bout. Voilà, ça j'adore, franchement. Ouais, il faut avoir le sens de l'humour un petit peu. Oula, un petit flip là, comme on disait quand on faisait du skateboard. Là, ça fait pareil. Hop là, voilà, flip, tranquille. On l'est bien, bah finalement ça met du temps, je pensais que ça allait être très très rapide, mais finalement non, il faut quand même un petit peu de temps pour chier toutes ces bottes là. On l'est bien, on va terminer ici tranquillouze. Je pense par contre qu'on va se faire chier avec celle qui est plantée là-bas sur l'andin, mais bon, on va faire avec, hein. On va essayer de monter dessus ou de monter dessous, je sais rien, on va faire comme on peut. On va essayer de pas tout casser, parce que là ouais, on va se faire chier là. Qu'est-ce que ça dit si on l'avale? Voilà. Oh bah c'est bon, on est passé dessus, impeccable. Qu'est-ce que ça dit là? Je crois qu'on est bien, est-ce qu'on peut vider? Est-ce qu'on peut vider ce merdier? Décharger la presse, ouais, c'est bien, j'étais bien sur la bonne touche, mais il faut, hop là, en faire comme ça. On l'est bien ici, il n'y en a pas une devant, non, c'est bon, impeccable. Et on va plier ce merdier, voilà, regarde ça mon colon, elle se refout derrière, impeccable. Et on passe par-dessus, on va aller tranquillement presser notre champ, on va passer par là. Et on va se mettre en vue inter, alors vue inter, c'est comme ça, hop, on va recaler la vue par contre, qui est oublié. Ah merde, j'ai coupé le moteur, écoutez...
Le son du moteur est plutôt pas mal, hein. Franchement ça fait plaisir. Hop, petite animation de la manoille pour l'accélérateur et l'inverseur marche avant. Voilà, il y a encore ça à travailler sur le côté, bref on s'en fout. Vous allez voir, mais plutôt c'est relativement simple, mais franchement ça fait plaisir. J'adore moi ces tracteurs en deux roues motrices sans cabine. Je trouve que ça fait c'est assez stylé, mais bon après chacun ses goûts. Regardez ce que je disais là, il y a plein de... Ça faisait une espèce de bug, ça me faisait un andin tout en travers alors que je fauchais complètement dans l'autre sens. Bref, c'est pas bien grave. On a quand même un décalage, hein. Même si ça suit, on va quand même faire gaffe parce que là j'ai dû mettre un coup, le machin est tout tordu, c'est niqué, ça va plus marcher. Alors, on a dit qu'on se décalait, hein. Tranquillou, on est bien, on est installé comme d'habitude, j'espère que ça vous fera plaisir, on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin pour répondre parce que j'ai souvent la question, et le patou, ben le patou il est au travail, hein. J'essaie de temps en temps de le relancer, je dis putain mais quand est-ce que t'es dispo mon cono? Et il me dit mais je suis pas dispo en ce moment, entre midi et deux, c'est le bordel, je suis seulement disponible à partir de 14h et malheureusement à 14h, et ben c'est Bibi qui est au boulot tout bêtement, donc résultat des courses, on n'arrive pas à se caler, on n'arrive pas à se choper, on n'arrive pas à se... Voilà, ok, vous avez tout compris, j'ai regardé mon zizi. Oh là là, la blague en dessous de la ceinture. C'est vrai que c'est pareil, j'avais eu un commentaire, c'était assez sympathique, j'avais beaucoup rigolé aussi. C'est que ça commence toujours au niveau de la tête et ça finit toujours au niveau de la ceinture avec les vidéos du Savoyard. Bon, ouais, on est comme ça, on s'amuse, on s'éclate. On se prend pas la tête, surtout on ne se prend pas la tête, on ne donne de leçons à personne. On fait notre petit bonhomme de chemin tranquillement de notre côté. Allez, regarde Nico, j'ai tout rangé. Regarde si c'est pas beau, tac, tac, tout plein. Ah, encore un petit peu touché, mais c'est pas grave. Allez, on va déplier tout ce merdier, on va se refoutre en vue externe. Ok, ça a l'air de s'être calé, on va baisser le merdier. Ah bah je crois que j'avais pas remonté le merdier, mais c'est pas grave. On va d'abord déplier aussi, voilà, on est bien. Et on va puis activer. Voilà, c'est bon. Allez, passons au pressage de ce petit champ. Il est peut-être un chouïa plus petit que l'autre, donc ça va être bien en termes de délai. On est plutôt bon, on va faire comme ça. Alors par contre on va se faire chier là comme des rats morts. Est-ce que j'arrive? Par contre c'est bien parce que ça tourne sur place cette connerie là. Petit tracteur de merde, on est bien. Un petit IH, putain vous allez me dire, il n'y a plus que de IH. Ouais. Alors pareil on m'a dit prends un fait, c'est le marteau. Non, j'en prendrai un plus tard mais on restera aussi sur un vieux tromblon, un vieux machin. Faut que je trouve, faut que je regarde. Enfin bon bref, j'avais pas nécessité pour l'instant d'avoir un tracteur supplémentaire. Il y a aussi ça. En termes de sous, j'ai fait un emprunt. Enfin j'ai fait un peu de l'emprunt parce que sinon je m'étais niqué, j'avais acheté des tracteurs, ils fonctionnaient pas. Enfin bon bref, il faudrait que je fasse aussi un peu le tri dans les. Dans le fichier mode, bref, voilà, j'en raconte des plus belles et des pas mûres, etc. Les vaches sont là, elles ont un peu de bouffe. J'ai récupéré 280 litres de lait, alors c'est vraiment pas beaucoup. Hein. En même temps, vu comme je m'en occupe, c'est à peu près normal que ça produise de cette manière-là. On est bien. Alors, je vous dirai pas avec quoi j'ai fait, parce que comme un con, j'ai rendu ma casiache, donc Made Arsenic Modding pour... putain, mais je prends pas tout en plus comme un con. Donc pour terminer mes moissons, sauf que j'avais zappé que j'avais aussi celui-ci à faire. Donc résultat des courses, j'ai pris une idéale. Hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas, ben, regarderont. Hein, donc une idéale. Et ouais mon patou, j'ai pris une idéale avec une barre de coupe de 7 mètres. Pas exagéré en termes de barre de coupe. Oh putain, mais c'est beau, c'est flip là. Mais au niveau de... Voilà, il a fallu faire quelques passages. J'étais un peu emmerdé pour vider la trémie. Bref, dans la ferme parce que c'était un petit peu serré. Un petit peu collé serré. Hein, bon souvenir. Hop là. Tac, on est bien. Alors qu'est-ce que ça dit, on est où là? Putain, on est dans les têtes dans les arbres, on va avoir finir avec de la salade dans les dents, un truc de ouf. Allez c'est bon, on finish. Putain mais c'est la merde, ils sont un peu larges ces enlins là. Ça c'est fait par une plus grosse machine et t'as des courses, ça avale pas tout. Et c'est vrai que c'est pas évident de se caler en fait quand c'est en décalé comme ça. C'est un peu plus facile. Putain tourne. Je crois qu'on va se prendre. Non, c'est bon. Quand on suit l'andin, hein, c'est un peu plus facile, mais j'ai aussi l'impression qu'elle ramasse pas très très large. Mais bon, ça fait plaisir de voir aussi. Du matériel un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce que vous avez l'habitude que j'utilise aussi, c'est ça le principe. On essaie de varier le plaisir, hein. C'est ça aussi l'idée, tranquillement. Et là, ça fait pas 25 fois que je passe, non, pour ramasser un petit peu ces andins. Hein. Ok, qu'est-ce que ça dit? On arrive à choper le truc là, on arrive à passer. Ok, ça pousse, on est bon. On va attraper le gros andin. Putain, c'est le bordel, il y en a de partout. C'est vraiment mal fait, travail de cochon, hein. Cochon, chez Ferdinand, le cochon est bon, voilà. Et oui, n'hésitez pas à suivre la page Facebook aussi, toujours plein de rigolades, plein de... Voilà. On échange, on partage des choses. Vous avez en avant-première le titre des futures vidéos, les pics des futures vidéos, etc., etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook. Et là, on a dit que ça passait par-dessus. Voilà, ok, non, là, ça passe pas. Ah, putain, fais chier, j'ai raté. Ça passe pas tout à fait par-dessus. Il faut bien enjamber la marche, monsieur, poussez-vous. Qu'est-ce que ça dit, là, ça va passer, là. Ouais, on est bien. Oh, putain. Oh putain, là c'est bon, impeccable, on est bien. J'ai jamais compté le nombre de putains que je dis dans une vidéo, parce que putain, ça doit être un sacré nom, hein. Voilà, j'en rajoute bien évidemment, pour la forme, qu'est-ce que ça dit? Bon, j'aime pas trop le boulot de merde comme ça, donc on va simplement faire le chiant,
Essayer de faire ça légèrement plus propre que ça ne l'est, tout bête. On va faire comme ça, on va passer ici. Là, on est bon, on devrait être bien. On va ramasser ce qui traîne en descendant. Et je crois qu'on est plutôt pas mal. On aura donc quelques petites boîtes. Je sais pas si ça fait quoi, ça fait 500 ça, en contenance enfin, en... Je sais pas exactement ce que ça représente. Voilà, tac, on est bien, là on est bien. Qu'est-ce que ça a pris? Ça a pas pris. Oh là, peut-être tordu du cul. Ouh là, on est bon. Ok, tout va bien. Non mais tout va bien, hein. Vous êtes bien sur la chaîne du Savoyard. Qu'est-ce que ça dit? On monte pas dessus, on les pousse. Hein. Allez, c'est bon, ça suffit, on est bien. Tac, on va faire comme ça, on va vider tout le merdier. On en pousse deux, on va remballer le matériel. Hop, on va relever le pick-up. Cette fois-ci, on va plier la machine. Qu'est-ce que ça dit? Ça ramène tout ça dans l'axe. C'est parfait, on est bien. Alors, je sais pas. Je sais pas comment je vais les ramasser. C'est ça l'idée. Est-ce que si... on va faire comme ça, on va faire comme ça. Est-ce que si je les fous là-dedans, ça va marcher? Est-ce qu'elles peuvent s'arrêter? Parce qu'une fois, j'avais fait une vidéo où je voulais mettre des cailloux dans une benne. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais arriver à remonter dans la benne, en fait, pour les vider? Ouais, ok. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, alors attends, il y a un tracteur qui traîne dans le quartier, donc voilà, j'avais travaillé ici, j'avais travaillé avec ça. Bon, bah écoutez, on n'a pas trop le choix, on va essayer d'aller avec ça tranquillement. Donc, bah, full IH aujourd'hui, hein, vous voyez que ça, 1455, je sais plus combien, 588, non, c'était pas ça. Bref, on s'en fout, voilà, full IH, on est en rouge et blanc, après le vert et jaune, bien évidemment, en rouge et noir, voilà. Je suis sûr que pas tout a chanté là. Je suis sûr, je le connais, je vais pas dire comme si je l'avais fait, parce que dans l'ordre, c'est plutôt lui qui me connaîtrait comme s'il m'avait fait. Bref, hein, on ne va pas rentrer dans les détails de notre vie intime et vie privée, bisous mon patou, bien évidemment. Mais voilà, quand je le lançais, je me souviens, alors vraiment c'était hop là, petite peut-être la sauvegarde, ok, on baisse la tête comme d'habitude ici, je le lançais, etc., et ça partait tout de suite, paf, paf, et c'est vrai que c'est ça aussi qui vous manque, malheureusement, bah, qui me manque à moi déjà dans un premier temps, il faut être honnête, mais voilà, il peut pas être disponible, donc comment je fais? Je viens pas, je reste, etc., donc voilà, par... Ouais, c'était un petit coup de moins bien, un petit coup de mou, ce qui fait que j'ai arrêté, pris un petit pause de bah, quasiment 6 mois, puisqu'on avait arrêté aux alentours du mois de juillet, et puis bah, je suis revenu aux alentours du mois de janvier, donc voilà, ça fait une petite pause de 6 mois, et puis c'est vrai que, bah voilà, avant de connaître Patou, j'ai aussi fait pas mal de vidéos en solo, on doit être à 944 ou 945 vidéos sur la chaîne, donc il y a de quoi faire, il y a du contenu, les premières, bah, c'est tout seul, et c'était merdique, il faut être honnête. En même temps, quand on commence, on peut pas se retrouver aussi avec l'assurance que je peux avoir aujourd'hui et puis le bagou que je peux avoir. Le matériel était aussi différent. Bref, voilà, ça s'améliore avec le temps ou pas d'ailleurs. J'ai eu la chance que ça prenne. Qu'est-ce que je disais moi? Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais ramasser la benne. Ok. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Pour l'instant, le patou, il peut pas être disponible. Et puis, bah, c'est pas appelé à changer pour l'instant. Et d'ailleurs, il est au boulot et ça lui fait du bien. Boss feignant! Voilà! Allez, on est bien. On recule donc. Qu'est-ce que ça fait? T'as pas pris? Attel? T'as attelé ou quoi? Bah, enlève ton bout de bois là, voilà, putain, mais c'est pas possible. Bon, on va essayer d'en foutre 2-3 là-dedans. Et après, je sais pas ce qu'on va en faire. Je sais pas, alors vraiment, c'est du truc de bourrin. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut les, voilà, est-ce qu'elles vont s'arrêter dedans en fait? C'est ça l'idée? Alors, fais voir. Comment ça fait en vrai alors? Tac, on sait pas. Bon, tant pis, ok. Alors, qu'est-ce que ça fait si j'y fous là-dedans? Hop, ok, bon, elles sont là-dedans, on est pas mal. On va pouvoir les rassembler, on peut se faire un petit shoot, hein. On peut se faire un petit basket. Avec un peu de bol, fais voir si ce que je m'en disais, c'est est-ce que ça s'arrête? Il est resté dedans ou s'est arrêté? Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, pousse-toi! Voilà, pousse, monte! Putain de saloperie de genou! Voilà, ok, elle est dedans. Et si ça pousse? Bon, on va essayer, hein. on va faire simple. Donc là, on est à 2 points. Ok, on est bien. On va en faire un, hop, une tac là. Bonjour. Ah, raté. Tant pis, bon, on va les ramener comme ça. Enfin, en tout cas, on va tenter de les ramener un peu comme ça. Tout va bien. Mais il y a qu'ici que vous verrez ça, je vous dis tout de suite. Oh, ouais, non, ça marche, hein. Ça marche parce que je vois qu'elle s'est arrêtée contre la bordure, contre le machin, ce que tu veux, on s'en fout. Hop là, on est bien, qu'est-ce que ça dit? Voilà, ok, on touche toujours le bord du panneau. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ces vidéos, c'est vraiment du n'importe quoi. Hop là, on est bien, tac. Par contre, à un moment donné, je crois qu'on va déplacer le tracteur parce que sinon, on va se faire chier. Donc on va au moins ramasser celle-ci quelques-unes, histoire de... Hop là, on est bien... Oui, c'est beau, à chaque fois ça touche, hein. À chaque fois ça touche, et celle-ci on va faire comme ça, tranquillement. Est-ce que ça dit? Ouais, c'est bien, impeccable. Ok. Allez, on est bien. Hop, on filoche. Là, on est bon, on en met juste 2-3 autres, et puis on va se laisser là. Je vais terminer, moi, bien évidemment, tout seul, comme un grand, comme un con. Voilà, on va faire ça tranquillement. Hop, là, on est bien. Il y en a qui vont regarder ça, ils vont hurler, ils vont mourir. Les puristes, ils vont mourir. On est, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, oh, putain, merde.
Oula, oulala, oula, oulala, lâchez tout. Ah putain, c'est l'étonnerie qui se passe. Oh putain, ça y est, ça part en couille. Ça part en couille, ma couille. Voilà, tranquillement. Allez, enfin une petite dernière. Tac, c'est beau, c'est propre. Nickel. Qu'est-ce que ça dit? J'arrive à la choper celle-là? Ouais. Oh putain, non. Oh putain, je secoue la benne. Oh aïe 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 aïe. Vas-y, prends-la. T'arrives pas à la prendre? Non. Ok, bon, il arrive pas à la prendre. C'est pas grave, on va pas se faire chier plus. Ah, peut-être là. Putain, le mec, il arrive pas à s'en sortir. Mais lâche sa benne, putain, j'arrive pas à choper cette merde là. Non. Bon, viens ici. Voilà. Tac. Voilà. Le mec, il est musclore. Hein. Hulk, tout ce que tu veux. Il déplace les bennes à main nue. Voilà. Ok. Allez, on va se laisser là, les amis. On va pas en faire plus. Parce que je crois que là, il y en a qui vont saigner de l'œil et saigner des oreilles. N'hésitez pas, comme d'habitude, laissez le petit pouce bleu, le petit like si ça vous tente. Et puis, on se retrouve très bientôt pour l'aventure farming sur Campaign of France. Ciao, bye bye!